Saviez-vous que l'un des moyens efficients pour mieux préparer sa retraite en Afrique et s'enrichir, c'est de faire de l'arboriculture fruitière? Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne digitale Agri Startup. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. L'arboriculture fruitière peut être une activité louable et enrichissante pour ceux qui cherchent à préparer leur retraite. En plantant des arbres fruitiers, une personne peut créer une source de revenus supplémentaires à mesure que les arbres mûrissent et commencent à produire des fruits. Les fruits peuvent être vendus sur le marché local ou transformés en produits tels que des confitures, des jus de fruits ou des conserves, ce qui peut augmenter encore plus le potentiel de revenus. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous dire que c'est possible de nous contacter au plus 228 93 66 64 93 pour tous vos projets de culture ou d'achat de pépinières des arbres fruitiers tels que l'oranger, le manguier, le citronnier, le mandarinier, le corossolier et bien d'autres encore. Nous sommes disponibles pour vous au Togo et partout en Afrique. L'arboriculture fruitière peut être un investissement à long terme, car les arbres peuvent continuer à produire des fruits pendant plusieurs décennies. En outre, la gestion de vergers peut être une activité physique et enrichissante, ce qui peut contribuer à maintenir une bonne santé physique et mentale. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les informations clés à connaître pour investir une installation de l'arboriculture fruitière. 1. Choix du site. La première condition pour faire de l'arboriculture fruitière tropicale est le choix du site. Le choix du site est indispensable pour la production fruitière et garantit la durabilité de son exploitation. Voici donc les trois principales exigences. La première exigence est que le site de plantation des arbres fruitiers doit être ensoleillé, avec une exposition est-ouest, bien drainé, fertile et profond. Il doit être capable de retenir l'eau pour un temps afin de garder de l'humidité nécessaire s'il s'agit d'une installation non irriguée. Pour un bon choix du site, il est donc primordial de faire une visite de la parcelle par un expert du domaine. La deuxième exigence est que votre site doit être à l'abri des vents forts, qui peut endommager les jeunes arbres et réduire la production de fruits. La dernière exigence est que votre site doit être accessible. 2. Le choix des types d'arbres fruitiers et des variétés. Cette étape dépend de l'objectif de l'exploitant ou du propriétaire, le type de marché et son étude telle que demande, offre, concurrence et la segmentation du client s'il s'agit de la grande ou de la petite distribution. De plus, il est très capital de savoir si vos fruits seront destinés à un marché de produits biologiques ou ceux provenant de l'agriculture conventionnelle. Il est recommandé de planter plusieurs espèces et variétés pour assurer une production échelonnée tout au long de l'année et pour réduire les risques de perte de la récolte en cas de maladie ou de conditions climatiques décrites. 3. Préparation du sol. Après le choix du site et de la variété, la préparation du sol est l'une des étapes de l'itinéraire technique pour faciliter les autres travaux tels que les travaux d'entretien et surtout réduire les pertes de jeunes plants. S'il arrive qu'on constate que le sol est compact, il est recommandé de le travailler en profondeur, le niveler afin de faciliter le meilleur drainage possible. L'analyse du sol permettant de déterminer les besoins en fertilisant et en amendement est assez onéreuse. La recommandation est de faire une visite de terrain par notre équipe afin de donner une appréciation sur la faisabilité technique. 4. Préparation des plantes. Les plantes doivent être de bonne qualité, avec des racines saines et bien développées. Pour cela, il est recommandé d'acheter les jeunes plants chez un producteur de semences et plants certifiés. 5. Plantation des arbres. Les arbres fruitiers doivent être plantés à une distance suffisante les uns des autres pour permettre leur développement et faciliter la récolte. Il est fortement conseillé de respecter les recommandations des ingénieurs et/ou des techniciens pour garantir une plantation durable. 6. Entretien des arbres. Les mauvaises herbes doivent être régulièrement supprimées pour éviter la concurrence avec les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers doivent être taillés régulièrement pour favoriser leur développement et leur production de fruits. Il est également recommandé d'utiliser des engrais et des pesticides pour protéger les arbres fruitiers des maladies et des ravageurs. 7. Les différents coûts qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'arboriculture fruitière. Les coûts sont liés à
la visite de terrain par les responsables de l'équipe pour évaluer la faisabilité technique et la production d'un mini-rapport. La rédaction du projet complet, faisabilité financière, technique et les investissements si nécessaire. Les investissements en matériel et autres. L'installation, défrichement, préparation de terrain, l'achat des jeunes plants, la trouaison, la plantation. Les coûts de transport des jeunes plants. L'irrigation, s'il s'agit d'une plantation irriguée. Assistance technique pour la mise en place. Après la mise en œuvre du projet, divers coûts sont liés au suivi de l'exploitation jusqu'à la production des premiers fruits. Parmi ces coûts, nous avons l'entretien de la parcelle, en particulier le sarclage. Les traitements phytosanitaires pour la prévention. L'élimination des branches et la taille si nécessaire. La fertilisation. L'inspection de la plantation. Toutes ces informations permettent aux futurs exploitants d'avoir une idée sur les différents éléments à connaître et à maîtriser avant de se lancer dans la culture des arbres fruitiers rentables et durables. Malgré ses coûts très élevés, l'arboriculture fruitière peut offrir une opportunité de rester actif et s'enrichir pendant la retraite. En somme, l'arboriculture fruitière peut offrir une solution viable pour ceux qui cherchent à préparer leur retraite en prévoyant une source de revenus supplémentaires, en investissant dans une activité à long terme et en restant actifs et engagés dans leur communauté. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Partagez au maximum nos vidéos à d'autres investisseurs ou agripreneurs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.